Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom, je glorifie ton précieux nom. Tu as permis que je sois là aujourd'hui. Je dis merci pour ton serviteur qui a eu confiance en moi pour me mettre devant cette chair. Père, que toute la gloire te revienne. Que ma toute petite personne s'efface, que toi seul tu sois élevé. Dans le nom de Jésus. Les sorciers, parce que j'étais dans la souffrance, dans les problèmes, je ne connaissais même pas Jésus. Si Jésus est venu me retirer, je ne peux pas lui enlever ma main. Je vais tous les jours le suivre. Amen.
Alléluia. Compte tenu du temps, papa a la délivrance à faire. Amen. Peut-être même des entretiens. Le temps est trop dépassé. Non, mais c'est pas la peine. Non. Le temps est trop dépassé. Je ne vais pas m'étaler. Alléluia. Je vais juste vous exhorter. Amen. Nous allons parler aujourd'hui de Lazare, que vous connaissez très bien. Connaissez l'histoire de Lazare. Amen. Lazare était quelqu'un que le Seigneur Jésus-Christ aimait beaucoup. Et Lazare avait deux sœurs, il y avait Marthe et Marie. Alléluia. Dans l'une d'entre elles, elle lavait le Seigneur, elle lavait ses pieds avec ses cheveux. Alléluia. Amen. Et ce Lazare ne se sentait pas bien. Le Seigneur n'était pas là. Alléluia. Au moment où tu es malade, il n'y a personne. Amen. Pourquoi? Parce que le Seigneur dit que cette maladie ne va pas t'emmener à la mort. Sinon, pour glorifier le nom du Seigneur Jésus-Christ. La situation que tu traverses ne va pas t'amener à la destruction, à part que le nom du Seigneur doit être glorifié. Tu peux traverser des épreuves, dire, mais pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Mais le Seigneur sait pourquoi. Ce n'est pas parce qu'il est absent, il est présent dans tes épreuves. Il est présent lorsque même tu as à Gethsémané. Papa a dit, alléluia. Mais il est en train de te forger, alléluia. Dans les épreuves, Dieu te forge. Mais en ce moment-là, nous ne comprenons pas. Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi c'est mon enfant qui est comme ça? Pourquoi? Mais tu veux que ce soit l'enfant de qui d'autre? Amen. Alléluia. Amen. Dieu sait que tu peux supporter. Dieu sait qu'il doit faire quelque chose. Dieu sait que son nom doit être glorifié au travers de la situation de ton enfant. Alléluia. Amen. Qu'il soit malade. J'en suis un témoin de la situation. Alléluia. C'est pourquoi le nom de l'Éternel soit puissamment glorifié. Alors voyez que Lazare était malade jusqu'à la mort s'ensuit. Tout le monde pleurait. C'est dans des situations. Il y en a qui pensent que ce n'est même plus la paix. Plus personne n'espère. Toi-même, tu n'espères plus. Tu te dis quelquefois, il y a point de Dieu. Pourquoi je souffre? Alléluia. Nous avons tous accusé le Seigneur dans les moments très douloureux. Alléluia. Mais Dieu, dans sa grâce, la Bible dit ceci. Les voies du Seigneur ne sont pas nos voies. Et ses pensées non plus ne sont pas nos pensées. Dieu agit en son temps. Dieu agit en son temps. Dieu a frappé la stérilité, Anne. Mais il savait pourquoi. Alléluia. Autant marqué de l'Éternel. Dieu a donné Samuel à Anne. Amen. Alléluia. Lazare étant mort, je ne vais pas rester longtemps parce qu'il y a encore du travail. Alléluia. Lazare étant mort, alors la sœur de Lazare disait, Seigneur, si tu avais été là, mon frère n'allait pas mourir. C'est parce que tu étais absent. Mais son absence, c'était pour glorifier le nom du Seigneur. Amen. Vous savez, quand il y a le suspense, on voit la puissance de Dieu. On voit l'onction de Dieu. On voit la présence de Dieu. Alléluia. 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 Oh, alléluia. Jésus est Seigneur. Il faut qu'il y ait un suspense. Il faut que ta situation, Jésus-Christ soit absent par moment. Alléluia. Absent mais présent. Alléluia. La Bible dit qu'il est omnipotent. Celui qui peut tout. Omniscient, celui qui sait tout. Omniprésent, il est présent partout à la fois. Amen. Et pendant que tu souffres, et pendant qu'il est absent, Jésus est présent. Amen. Il ne t'a pas oublié. Amen. Il est en train de régler ta situation. Amen. Il est en train de dire, Père, que ton nom soit glorifié. Amen. Alléluia. Il ne voulait pas que le témoignage s'arrête vraiment au plafond. Alléluia. Il voulait que ça réjouisse le cœur de Dieu. Amen. Tellement tu as crié à Dieu. Mais si la situation était tout de suite arrivée, c'était positif, tu n'allais même pas rendre bien ton témoignage. Amen. Mais il fallait qu'il y ait le suspense. Amen. Il fallait qu'il y ait des épreuves. Amen. Il fallait que tu sois à Gethsémané. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lazare était à Gethsémané. Alléluia. Lazare était mort. Mais les gens pleuraient. C'est ça qui disait, mais si Seigneur, tu avais été là, mon frère n'allait pas. Mais le Seigneur qui est la résurrection. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ qui est la résurrection. Amen. La résurrection, même absente, elle est présente. Amen.
qui dit non, Lazare n'est pas mort. On va à la mort. Hein? Lazare est glacé comme ça. Il est devenu, je ne sais pas, congelé même. L'odeur même sort. Il se trouve qu'il n'avait pas une formule. Il sentait. Amen, amen. Amen. Il ne s'est même pas la permis. Il veut faire quoi là? Les uns disaient, mais lui, il n'est pas capable de ressusciter ce mort. Et même si la fille de Dieu qui fasse le miracle, tout le monde parlait. Mais tu étais où? Et ce moment, il arrive. On se va l'enterrer. L'heure du Seigneur n'était pas encore arrivée. Tu attends ton bébé depuis longtemps. L'heure du Seigneur n'est pas encore arrivée. Le mari depuis longtemps, l'heure du mariage n'est pas encore arrivée. Jésus a la clé de toute situation. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. On va vraiment pas trop durer. Nous allons prendre dans le livre de Jean. Jean 11. À partir du verset 34. Je ne vais pas vraiment rester longtemps pour laisser la place à papa. Parce qu'on a vu plein de choses et c'est le Saint-Esprit qui dirige. Amen. Jean 11 au verset 34. À partir du verset 34, il dit ceci. Et il dit, le Seigneur s'adresse à la foule, à ceux qui l'ont enterré. Alléluia. Le miracle va se passer. Alléluia. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. Depuis là, tu devais arriver, tu n'es pas arrivé. Lazare et moi, tu dis, on l'a mis où? Viens, toi-même, tu vas voir là où on l'a mis. Alléluia! La résurrection va arriver. Jésus a vu Lazare. Et Jésus pleura. Sur quoi les Juifs disent, voyez comme il l'aimait. Alléluia! On ne peut rien faire par amour. Tout ce que nous faisons, c'est par amour. Alléluia! Si tu n'aimes pas une personne, tu ne peux pas t'intéresser à sa vie. Jésus est l'exemple typique de l'amour. Alléluia. C'est cet amour qu'il a donné à notre Père. C'est par amour aujourd'hui qu'il s'occupe des enfants des autres. C'est par amour que nous sommes là aujourd'hui qu'il s'occupe de nous. Alléluia. Amen. Tout ça, c'est par amour et par obéissance. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cette œuvre ne mourut point? Voilà les questions que les gens se posent. Quelquefois, on peut dire, mais lui-même, il est prophète. Ah, la situation. Il ne peut pas arranger ça. Alléluia. Amen. Tout ça, le Seigneur entendait. Mais il n'était pas encore l'heure. Amen. Alléluia. Amen. Les pensées de Dieu ne sont pas les nôtres. Et ses voix non plus ne sont pas les nôtres. Amen. Chaque chose en son temps. Amen. Alléluia. Amen. Au verset 38. Jésus frémissant de nouveau en lui-même se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, c'est sur ça maintenant je vais m'appuyer. Alléluia. Amen. Tu sais, les sorciers sont tellement criblés de balles. Ils t'ont mis dans une boîte, dans un canari. Alléluia. Mais quoi que vivant, tu circules bien. Alléluia. Mais tu en caches quelque part là-bas. Alléluia. Jésus-Christ va bénir maintenant. Il va parler à son serviteur, notre Père spirituel. Il va te dire ta vie, il va te dire d'où tu es sorti, d'où tu es toi-même. Tu es enfermé dans un canari. Alléluia. Amen. Mais il aurait fallu que ce canari-là soit cassé pour que tu puisses sortir. Alléluia. Tu te maquilles, tu es bien habillé, mais tu es enfermé dans ce canari. Alléluia. Jésus a dit, il dit, ôtez la pierre. Il y avait quelque chose dans ta vie. Il y avait un blocage dans ta vie. Il y a une pierre qui était là dans ta vie. Il a fallu que cette pierre soit ôtée. Pourtant, tu as tout pour être marié. Tu es belle. Mais il y a une pierre qui n'est pas encore ôtée. Toi-même, tu ne pouvais pas ôter cette pierre. Mais Jésus va venir parler à son serviteur. Il a mandaté pour lui dire, voilà ta situation. Il faudrait qu'elle soit délivrée. Mais il y a une pierre qui va être ôtée pour sa délivrance totale. Alléluia. Lazare qu'on croyait mort et qui était vraiment mort, il sentait même. La résurrection arrive. Il dit ôtez la pierre.
Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, de quel pied on va ôter? Et le monsieur est mort, il sent mauvais. Les asticots même sont sur lui. Va ôter quel pied? Alléluia! Dis Jésus est tout puissant. Dis que le Seigneur est tout puissant. Rien ne lui est impossible. Il est le spécialiste des spécialistes. Il est le plus haut des plus hauts. Il est le plus haut des plus hauts. Même après 7 jours dans le coma, Jésus ressuscite encore. Alléluia. Les stériles en faudra 7 fois. Alléluia. Oh Jésus. Merci Seigneur. Quand il y a 4 jours, tu es là. Il y a des années que tu vis ta situation. 35 ans comme on a entendu tout à l'heure. Certains 18 ans. Alléluia. D'autres même 25 ans. D'autres 12 ans. Mais en un seul jour, en une seule seconde, Jésus peut arranger ta situation. Amen. Alléluia. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il suffit seulement que tu crois. Et il suffit seulement que tu obéisses. Que tu ne doutes point dans ton cœur. Alléluia. Voilà comment l'obéissance doit suivre. Jésus n'est pas venu lui-même ôter la pierre. Alléluia. Mais sur la parole du Seigneur, cette pierre a été ôtée. Ta situation, tu seras délivré. Amen. La pierre qui te tenait en captivité, en sorcellerie. Dieu a envoyé son serviteur pour que cette pierre soit ôtée. Il suffit seulement de croire et d'obéir. Alléluia. Amen, amen. Amen. Acclame encore mon Jésus. Alors, ils ôtèrent donc la pierre sur l'ordre du Seigneur. Quelque chose va se passer. Et Jésus leva les yeux en haut. Pourquoi le Seigneur lève les yeux en haut? Ça ne tenait qu'à lui. Lui, il sait que le miracle va se produire à l'instant, mais dans les minutes qui suivent. Mais la foule qui l'entourait, plein de gens qui doutaient, plein de gens qui l'accusaient. Mais il veut faire quoi maintenant? Il est trop tard, il arrive, on te dit qu'il sent. Et puis on va ôter. Jésus savait ce qu'il allait faire. Même si ta situation est difficile, même si tu n'y as plus d'espoir, les médecins vont accompagner dans le désespoir. Ils sont champions pour ça. Alléluia. Pourvu que la sœur qui continue de la payer, que tu sois toujours une proie entre les mains. Si tu guéris automatiquement, il n'y a plus de clients. Alléluia. Mais ils font tout pour te maintenir. Mais Jésus a dit, ôtez la pierre. Amen. Ce soir, le Seigneur dira, ôtez sa pierre pour qu'elle soit délivrée. Ôtez sa pierre pour qu'il soit marié. Ôtez sa pierre pour qu'elle soit guérie. Que soit ta pierre sera ôtée au nom de Jésus. Je te rends grâce. En toute chose, vous rendre grâce à Dieu. De ce que tu m'as exaucé. Vous voyez la foi que notre Seigneur Jésus-Christ a. Il a déjà été exaucé. Alléluia. Parce qu'il sait qu'il n'a pas encore commencé. Mais il a appelé la foi à l'existence de ce qui n'existait pas. Alléluia. La résurrection de Lazare. Jésus ressuscite. Il le faisait, il le fait aujourd'hui encore. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Il dit, pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais je parlais à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Alléluia. Les gens me racontaient, c'est la magie. Le prophète, il fait magie. Mais vous avez vu ici les documents de l'hôpital? Alléluia. Amen. Le concerné, lui, il a témoigné. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on vous fasse un dessin?
c'est du concret. Amen. Papa sait que c'est le Seigneur qui l'a mandaté. Amen. Il sait le don qui est en lui. Amen. Alléluia. Amen. Il sait que quand Dieu lui parle, quand le Saint-Esprit lui parle, il touche exactement ta situation. Amen. Et le miracle s'opère. Amen. Tu es témoin comme moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Ayant dit cela, il cria d'une voix forte. Lézard, sors! Soit qui pleurait, qui disait, mais qui va sortir? Il est mort, il sent, il va sortir. Ce cadavre-là va sortir. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Et la Bible dit ceci. Mais, c'était le miracle maintenant. Celui qu'on avait enterré, on pensait que c'était fini. Les deux sœurs disaient qu'ils n'avaient plus d'hommes dans leur famille. Le seul frère est mort. Il dit, Lazare, sors! Oh, Jésus, tu as la parole de vie. Et le mort sortit. Alléluia. Amen. Jésus le fait aujourd'hui encore. Amen. Les pieds, c'est pas fini. Les pieds et les mains liés de bandes. Le visage enveloppé de linge. Jésus le dit encore. Déliez-le. Alléluia. Déliez-le. Si c'est ton père qui t'appelle cette chose, si c'est ta mère, si c'est ta soeur, il faut qu'elle fasse les aveux pour que tu sois totalement délié. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ont fait des aveux, mais ils n'ont pas eu de délivrance. Ils n'ont pas été déliés. La pierre n'a pas été ôtée. Alléluia. Amen. Le visage enveloppé d'un linge, Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Amen. Ce soir, Dieu m'a parlé au prophète. Tu seras délié et il te laissera aller. Amen. Et quand tu t'en vas, il faut que tu serves l'Éternel des armées. Amen. Quand tu reviens, rends témoignage. Tout a été guéri. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ta pierre sera montée ce soir. Amen. Ta pierre sera montée ce soir. Amen. Jésus va dire à son serviteur, ordre la pierre. Pour qu'elle soit guérie. Pour que ton fils soit guéri. Pour que ton fils soit délivré. Pour qu'il soit livré des chaînes. Papa ce soir, ôte la pierre. Alléluia. Pour que mon ami soit totalement délivré. Amen. Moi je parle de moi, chacun parle de lui. Hein. Amen. Ôte la pierre, mon serviteur, pour qu'elle puisse s'enfanter. Amen. Ôte la pierre, mon serviteur, pour qu'elle puisse avoir le mariage. Amen. Ôte la pierre, mon serviteur, pour qu'elle soit totalement guérie. Amen. Ôte la pierre, mon serviteur, pour que cette église puisse aller de l'avant. Amen. Ôte la pierre, Seigneur, pour que tout ce qui parle. Ce soir nos pièces seront ôtées. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse.